Une cinquième étape de la Tropicale Amissa Bongo menée à vive allure en direction d'Agondier sur 104 km avec une moyenne record de 49,54 km/h. Et c'est le sprinter espagnol de 25 ans, Miguel Ángel Fernández de la Burgos BH, qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière professionnelle. Il a devancé le coureur français vainqueur de la première étape, Geoffrey Soupe de la Total Energy, et l'Érythréen Enoch Mouloubran. Du côté du classement général, eh bien, malgré les bonifications de Geoffrey Soupe ou de Mouloubran, eh bien, Jason Tesson conserve le maillot leader avant ce dernier week-end au Gabon. Ciao tout le monde.